Alors, monsieur, bonjour, bonsoir pour tous les amis qui sont sur la chaîne Radio Parler Haïti, Radio La Voix du Peuple. C'est un plaisir, une autre occasion, je tourner sur la plateforme Parler Haïti avec une autre émission. Je salue tous les amis qui branchent la radio, tous les fanatiques inconditionnels Parler Haïti. Que bon Dieu bénisse nous, que bon Dieu garde nous. Et nous féliciter Dr. Claude Joseph, eh bien, qui réagit sur ce qui a passé haïtien dans le pays Saint-Domingue. Et mes amis, bagala triste en pile, en pile, en pile. Côté en République Dominicaine, et gagné yon ville qui est le One Bosch. Et bien, dans One Bosch là, madame, messieurs, et bien, la police avec l'armée dans le pays Saint-Domingue envahit zone ça qui charge haïtien. Et bien, yon prend haïtien ça, yon maltraite yon, yon mette yon dehors dans la ville là. Et bien, gagné un Dominicain qui est le Mani Solano. Mani Solano ça lui-même et il t'a fait une vidéo pour te bailler l'état dans pays Saint-Domingue 48 heures de temps pour réagir pour retirer pour mettre tout haïtien ça qui dans ville ça dehors. Et bien nous connaît Luis Abinadel président République Dominicaine nèg ça lui-même il parle haïtien et bien nèg ça te répond avec demande dominicain que les Solano a te fait. Et bien gouvernement dominicain lui-même et madame messieurs yo koré ça dominicain dia yo mette en pile haïtien de yo haïtien ça yo madame messieurs pas qui question pas un papier nous haïtien ça en pile haïtien y a plus de haïtien ça gen papier haïtien ça gen papier dans terre qui veut dire en pile misère haïtien ça passé dans ville qui est One Bosch là. Et bien dans pays c'est domaine bagarre compliqué gagné docteur Claude Joseph qui réagit et bien sous sous ce qui a passé à ici, ça, madame, messieurs, eh bien, docteur Claude Joseph fait un tweet, il dit, nous voulons attirer attention, communauté internationale là, sous ce qui a passé depuis quelques jours, dans ville, dans village, One Bosch, eh bien, dans Saint-Domingue, côté agent immigration a fait déportation massive, forcé l'ouvrir porte car haïtien, courir derrière eux, dans toute la rue, et puis terroriser eux. Zach, ça, c'est une grosse violence droit monde qui est révoltant. Dégradant, imminent, donc inacceptable. Pas de aucun accord, loi ou bien convocation qui courait pratique ça yo. Raciste systémique ça, avec anti-haïtianisme ça, pas bon pour politique. Docteur Claude Joseph dénonce humiliation, Zach ça, côté autorité dans le pays, c'est domaine, il a fait haïtien ça, passer misère. Haïtien sa yo ap moute yon moun pa do baga la compliqué. Sel docteur Claude Joseph qui parle dans dossier sa. Et c'est sel haïtien tout, c'est sel haïtien qui te dans gouvernement sa tout, qui pa pèche, qui pa pè pièce volée dominicain. Alors Claude Joseph, nous félicite ou parce qu'on campe avec haïtien ou docteur. Nous campe ou campe avec haïtien ou campe la mon cher, pa la ge haïtien ou remè ou tout. Parce que ou dénonce ça avec communauté internationale là. Ou dénoncer ça, et autorité dans le pays espagnol a fait haïtien passer misère. Ville ça, yo mette haïtien de yo bat haïtien, yo crasé tout ça haïtien te gagné. C'est une véritable tristesse pour haïtien ça, madame, monsieur, qui dans le village, One Bosch, dans la République Dominicaine. Bagala triste en pile, bagala triste, triste, triste dans le pays Saint-Domingue, côté misère haïtien ça va passer, il y a violé mesdames yo, il y a battu immigration dans pays République Dominicaine a fait haïtien ça monter une bonne partout. Attention me dit nous pas de question haïtien illégal. Donc tout haïtien net qui a fait ça. Yo mande pour tout haïtien quitter pays a rapide rapide. Alors gros ami hier qui t'a parlé me dit zami a dit Claude Joseph qui a parlé là attention peuple a le besoin. Zami qui te dit ouais docteur Claude Joseph si on est me pas connaît. Si on n'aime pas connaître, on pas connaître qui est lié, mais moi ouais travail à faire. OK, moi ouais travail à faire, son est qui en faveur nation, son est qui dénoncer ça pas bon et c'est seul monde qui campé connia là qui défend haïtien, qui dénoncer ça haïtien a souffri en République Dominicaine. Nous félicitons docteur Claude Joseph pour ça. Haïtien mais comme haïtien, docteur Claude Joseph te fait demander 4 ou bien 3 mois. 4 ou bien 3 mois, docteur Claude te fait dans tête gouvernement Jovenel Moïse là. Haïtien te besoin pour docteur Claude Joseph te résoudre tout problème pays là. 3 mois yon pour nous faire comme premier ministre yon pays pour nous te besoin pour te résoudre tout problème pays là. Ah non, mes amis, ça va pas comme ça. Non, 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 non. Me félicite docteur Claude Joseph et me dis, garçon voyant, qui est là, nous besoin dans pays là, nous besoin dans pays là, nous besoin docteur Claude Joseph, nous besoin dans pays là. Et fuck Haïti, sorti côté là, moi déclarer ça.
Madame, monsieur, c'est vous causez dans le pays Saint-Domingue, côté haïtien, ça a passé misère. Gagné, et ancien sénateur Edo Zeni, monsieur déclaré, monsieur dit comme ça. Si la France remet nos cobla kounya là, la passe plus mal que l'agent Petro-Caribe. Pas oublié, dans internet là là qui ont fièvre. Ça veut dire tout le monde a parlé de cobla, la France te doué Haïti depuis 19e siècle. Bagay ça, tout le monde songe dossier ça depuis 19e siècle. Tout haïtien campé kounya là, il a demandé pour la France et bah nous l'argent. Mes amis haïtiens qui ne parlent avec nous. On nous parle de l'argent 21e siècle là plutôt. On nous parle de l'argent 19e siècle n'a parlé là pour la France bah Haïti a. Non, l'argent ça oublie. On parle de l'argent Petro-Caribe a 4 milliards de dollars PHT qui Martelly volé. On parle on demande matériel l'argent ça plutôt. L'argent ça pitil nous n'a la plus facile pour nous joindre que l'argent 19e siècle n'a demandé pour la France bah nous. On nous focus pour Martelly bay 4 milliards de dollars qui ça le fait avec lui. Et n'a pas Edozeni dit comme ça. Si la France t'a bah nous comme ça, l'étape mal pi mal passé que l'agent Petro-Caribe a maté l'hypertechis, volé, gagoté l'agent ça. Entendez, m'abtoumé. Étant comme petit authentique qui toujours intéressé à ça qui a passé sous pays, et magistrat, sénateur, et gagnant coup de plume qui sortit un article Washington Post, et qui sortit là sous question France, Haïti, et sous dette ou qu'on qui s'allie déjà qui sont passés de coup plume ça parce que m'connais ou au courant et gen moun qui présentait le kankou États-Unis en face la France sous problème haïtien qui sont passés député Sadam madame et monsieur Zahi et José et tout le monde qui a nous a souhaité que nous pas faire même bagarre avec Petro Caribe. Et je fais ma carte dans la rue. C'est carnaval, nous besoin faire bas nous trois carnaval. Et je comprends si c'est gouillé, nous devons gouiller, faire bas nous bas pour nous gouiller. Parce que le rap fait payer, même de ça depuis les Haïtiens, depuis ça me fait commencer vraiment la politique. Les Haïtiens, là, il y a 2 millions, 2 milliards, patati patata, 15 centimes de distance. C'est un. Son jouet, son aberration, son tété. Parce que laisse-moi te dire. Nous n'avons pas un pays et puis nous n'avons pas comme la radio. Est-ce que c'est dans RFI de Mané? Est-ce que c'est dans notre radio en France que nous n'avons pas de. Toute radio, nous avons payé un paquet de cob dans la radio Haïti pour demander cob, pour demander la France cob. Et par contre, ça fait ça. L'autre fait, on parle même dans la guerre entre l'Ukraine et la Russie là, mais il a cherché, pour ne pas aller à une pile loin là, malgré le sens qu'il a vu de loin, parce que la Chine a mélangé avec Taïwan là, et si ça a fait, nous-mêmes en Haïti, c'est Kounyan Balmanje, je me disais. Si l'autre guerre ça a fait, il doit avoir diplomatie, mais il y avait ses métiers. On va être chaque tabi de nous dire, il y a des gens de la maison presque qui courent derrière le président, qui dit président, ou pas qu'à faire ça. Donc je dis à la, ou pas qu'à traiter un pays, même genre traiter un match football. Ou pas qu'à jouer, ou pas qu'à parler de, ça n'a pas de combien de milliards de dollars. Et puis, chaque fois qu'on a une version, il y a des gens qui ne pas la France, le DPE, c'était le monde qui te mettait au DPE. Chaque fois qu'on a une vision, il faut une équipe. Il faut une équipe chita pour analyser. Mais depuis que c'est dans la radio, m'attendait. C'est Gouyen de Zagouye. Nous allons mettre dans la rue pour nous dire Bangkok, la France, papa volait, la France, c'est la France, c'est là. Et je dis, donc, il faut faire les choses. Et puis, c'est payé, on va faire son bail. Ils sont savants, n'importe qui monde capable de l'argent, n'importe qui monde va rentrer en radio jouer. Il faut que nous commençons administrativement à demander des bagages et puis de ça, nous allons prendre au sérieux. Là, on va prendre au sérieux. Ou j'aime bien que le monde qui répond, jusqu'à présent, on va prendre la France, c'est bon. Bah, là, il y a combien de temps là? Il y a des petits et brochettes, il y a des tableaux, il y a des aristides de vent. Non! On va garder des pays à ça. Nous, besoin comme là, même si on a compté nos gars, on a besoin. On va essayer. On prend deux, trois avocats, la guéole en bas, Dieu se porte peintre contre Michel Martelly, contre Olivier Martelly, contre Laurent Lamotte, et contre le ministre Dagan, mais faute de l'Olari. Salm Bounio, fait ma carte, et puis là, est-ce que je n'ai rien à dire? Est-ce que tu fais administrativement? Peut-être que je dis à Guinée qui t'a peut-être, et presque en prison, ou bien en prison, ou bien, là, même nous parlons de 2 ans, là, 3 ans, plus que 3 ans, 4 ans depuis après des côtés de Caribe, mais là, il y a un monde. Faut une fin à la vie, monsieur. Mais n'est-ce qu'il y a qu'on lit, et je vois bonne fois, il y a eu des têtes, sous épaules, pour chita, pour faire une procédure légale,
pour demander l'argent et ce soi-disant gagner pour l'indépendance nous. Un débat, on fait correct, on va faire la rara, on va faire le danser, on va faire le clairé, on va faire le bouillir dans le monde à forme, on va faire, on va prendre au sérieux. Est-ce que, d'après vous-même, pourvu que c'est Washington Post qui sortit avec l'article, hein, est-ce que, qui sont fil, qui sont, d'après vous-même, qui sont fil? Parce que je ne vais pas poser une question, je me dis, genre, un paquet de monde pensé, non. D'ailleurs, je connais qui sont fil. Bien, je ne vais pas dire la donne, bien, nous sommes peuple qui est émotif. Nous sommes peuple. On met bien tout niveau intellectuel, on met bien combien de doctorats en tel bagage, en tel bagage. Nous sommes peuple émotif. Émotion passée avant Haïti, émotion passée avant madame ou avant tout le monde. Réaction, nous, c'est des réactions de Timoun. On met bien 70 ans. Réaction, de là où on est dans la rue. Capement des comptes comme Petro-Caribéa, mais c'est pour indexer un grand monde ou bien l'autre monde, et puis tandis que lui-même, il par contre, ça vient faire. Il va même dire ça vient faire là-dedans. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que je dis à l'Iclair que les États-Unis avons un point sur la France. La France parle, tu peux parler des États-Unis. Ouais. Mais nous-mêmes, dans une histoire, ça, c'est pendant. C'est dans la même gauche, bah, en tête, moi, que nous croyons convaincus. Que le problème d'Haïti, c'est pas le blanc, c'est nous autres. Comment quel monde? Comment quel monde dans le monde? Comment quel pays? Comment quel pays dans le monde qui ont été victimes de ça? Ouais. Mais ils ont levé. On prend le Rwanda. Le Rwanda a un million de monde qui mourit dans l'espace de mois. Mais je veux dire, le Rwanda, est-ce qu'il est? Est-ce qu'il est alors ou bien ce qu'il est? Je ne sais pas. Mais c'est pour vous dire que, pas faire me comprendre. Que parce que je dépense 4 milliards, 24 milliards, 34 milliards de dollars, c'est lui qui mettait nos dés là. Mais nous-mêmes, pendant nous avons 34, nous disons que 34 milliards qui ont été volés, nous mettons 50 milliards qui ont été volés, nous. Mais combien de dirigeants passés qui volaient pour mes copes? Ça t'a dit, dire, si l'agent s'est débattu, il était écrasé déjà. Il t'a volé déjà tout. Donc, on y a, il faut que nous, merci les amis, il faut que nous mettions tête, nous faisons pas nous pour notre pays, avant de voir, maintenant, des copes d'habits qu'on doit mettre. On a qui va le mettre, qui va le mettre, qui monde qui va le faire, qui ça va le diriger. On va gérer l'État, on va gérer la police, on va gérer la justice, on va le bailler qui m'appelle, on va le bailler, qu'est-ce qu'on va le bailler. Il faut que nous regardions ces situations en Haïti, mais même je dis souvent, il faut arrêter de faire de la politique, il faut nous camper sur une même table, il faut que tout le monde s'asseye sur une table, et discuter Haïti, et pas discuter famille Lavalade, et pas discuter le PHTK, et pas discuter qu'est-ce qu'il va le président. Et depuis des lois, ni Steven Benoît, ni l'autre là, qui sait qui est tout niveau intellectuel, qui quitte Bernil et son petit bébé, Alchitana Montana. Vous parlez de président? Vous parlez du président, qui ça? Ancien gouverneur, ancien président? Le président d'hier, c'est que nous sommes dans l'hôtel, nous disons ça est président, ça va président. Steven Benoît, qui me déconnecte au monde, il vient pas faire macacri pour finir la carrière là, pour le premier ministre. Mais le business de hell. Bon, écoutez, on a passé. Mais ça me dit, qu'il faut que tout le monde cite à son table patron, un campé politique. Depuis déjà, retirer l'histoire président dans la tête. Retirer l'histoire premier ministre dans la tête. Nous pas le travail pour Haïti. Nous pas le bataille pour Haïti. Nous sortir Haïti côté là. Il faut relever, regardez, là, ouais, relever des défis à devant blanc. Et puis, vos forces, même, ta souhaité pour Haïti. Blanc fait nous faire caca. Mais c'est nous qui fait caca. Et pas blanc qui nous fait caca. Blanc vient nous mettre ça pour faire. C'est où qu'elle fait? Est-ce que ça t'a voulu dit, sénateur? Excusez-moi. Est-ce que ça t'a voulu dit? J'ai un monde voulu faire comprendre, pourvu que c'est Washington Post. Ça t'a voulu dit, c'est États-Unis, Capman et France, dans cause Haïti, hein. Et ça veut dire que c'est bluff, c'est tintin. Attention pour ne pas faire tintin. Non, mais il y a une bagaille pour nous dire que, mais où sont passés nos élites intellectuelles? Côté monde qui toujours parlé de notre histoire, côté, pour vous ne savez pas. Mais même, est-ce que vous avez une chose intellectuelle dans le bagaille, ça, vous me dites peut-être, ou bien vous avez dit sur radio, ou bien vous avez fait conférence, et vous avez fait c'est non. Il faut que Michel Souka paraisse. Il faut qu'on pas traite notre monde pareil depuis Nerechita pour dire voilà ce qui est arrivé. C'est l'autre qu'on a parlé de l'histoire de notre pays. Bon, cloche ou non? La mort cloche là, là. Voilà, là, je m'écris dire. Non, il faut que Nerechita paraisse parce que le pays a besoin de.
Pays a besoin pour nous, pas dans le livre besoin là. Le livre là, c'est pour 25, 30 ans, 50 ans plus tard, pour les enfants, qui va dire, mais on a besoin de nos intellectuels, de ceux qui se disent, et comme si nous c'est des. Et bien, il y a eu un cas après l'histoire de notre pays. Ah ben, il faut que nous sachions dans Montana, ou bien dans Oasis, ou bien dans l'hôtel, le Plaza, et puis pour expliquer à la nation ce qui est arrivé. Voilà, il dit, frère, serviteur, moi, petit garçon, moi, petit bon Dieu, qui te pouvoir. Ou ça, mes garçons, c'est de mes fonds haïtiens. Il est couru. Il y a cité un président Haïti. Parmi les gens qui sont sauvés. Soit mon enlève courir devant pour tirer par dos. Ça, c'est le dernier criminel. Dernier criminel. Bon, je dis à tout. Des fonds du travail, malgré ça, je n'ai pas tellement senti parler Haïti. C'est sûrement c'est bien. Ouais, grand criminel qui te trois nègres. Quand tu travailles même bossa comme ça, bossa te ka venir chercher chaque matin. Tu vas travailler loin. C'est nègre pour qui prend rail. Je dis qu'on pied nègre arrache même pas toi, non? Donc que les frères Savra, mon la croix. Gen que les Rosemont, mon Saint-Marc, les Maria, mon la croix, madame la mouille, gen des petits garçons, c'est le capteur qui est mon yo. Gen que les Tijan. Mon la croix sont Joseph toujours. Et monsieur assez heureusement c'est mon Saint-Marc. Oui, nous tu ne va pas être machine parce que des pompiers ne pas ouais parce que bail ouais. Nous ce travail quoi pas bon de cas ouais placement de cas il faut avoir. Fait comme le monde. Ça sont les leçons qui doivent veiller par chaque matin. Mais ce cas pour n'importe des trois ans il a marché comme ça. Et là il pleuvait pour aller dans un an. Il y a les gars sur le grand matin. Méchant, attabé, ou tu es. Il y a beaucoup de frères. Beaucoup de frères. Comment il y a ce thème? Comment passe le lien? Ou en bas méchant, yo. Ou en bas criminel, yo. Il y a des criminels, c'est parce que mon amour n'a pas aimé comme ça. Criminel, ça. Il n'y a pas une machine, non? Il n'y a pas une machine qui est un petit monde, yo. Il n'y a pas de sang, il y a un petit sang à terre, il y a un petit assassin, il y a un petit assassin. Père. Les gros prisonniers, tout le pays, c'est ça. Bon, pas de domaine là, mais c'est pas de domaine pour capturer les gens là. Qui gagne la paix, là, c'est de ne pas faire pitié. Et si c'est de la catégorie dirigeante, est-ce que sans avoir été qu'à tirer les gens là dans le dos? Tout ce volet à voler à Haïti. Ah! Ça vite, gros causé pour la République d'Haïti. Gros causé criminel, ça. Bon Dieu, papa, nous qui dans ciel là. Nous disons merci pour tout ça que vous faites pour nous et pour tout ça que vous continuez à faire pour nous, papa. Nous disons merci pour tout ça que vous pensez qu'il est nécessaire que vous planifiez pour faire pour nous dans le jour qui vient. Mais comme passé, c'est vous-même qui servi pour nous billes présents. Nous disons ou même dans la parole, ou dit pas qu'il n'y a aucun bagage qui caché, qui n'est pas révélé. Pas qu'il n'y a aucun secret qui caché, qui n'est pas révélé. La mort président Jovenel Moïse ouvrit nous. La mort président Jovenel Moïse, c'est la guerre que les États-Unis avec France déclaré pays d'Haïti. Mais peut-être peuple là, dans l'esclavage, je dis, il n'y a pas qu'à réagir. Dans le moment où ça peut être fait, c'est pour nous déclarer la guerre. Mais nous n'avons pas déclarer la guerre parce que nous n'avons pas des armes. Nous n'avons pas des armes. Craser les armes. Les politiciens craser les armes. Les politiciens détruisent nous. Mais je dis, je connais. Les pays n'ont pas mouru. Ils ont souffert, mais ils n'ont pas mouru. Je connais des gens dans le pays d'Haïti toujours. Il faut qu'ils révoltent. Je ne sais pas qui a attendu pour révolter. Il faut qu'ils révoltent. Je dis à mon papa parler en pile, m'a juste salué tout le monde qui habitué tendre Radio Palais Haïti, m'a salué PDG Palais Haïti, Radio Palais Haïti avec tout technicien qui travaille pour faire radio à Kembe Radio à dans les m'a salué tout le monde en Haïti en dehors comme
la ville qui a subi tout genre de corruption, tout genre d'humiliation. Et bien, je dis, il faut que nous soyons capables de voir les gens qui disent que c'est amis noirs, qui sont les amis pays d'Haïti, et puis c'est menti qu'il y a bail. Moun sa yo se yo même qui est ennemi pays d'Haïti, et puis ça pire de là jusqu'à présent yo en Haïti toujours. Peuple haïtien, m'a invité nous tendre yon petit reportage que m'te promet nous. Parce que li en créole, parce que Wendy fait l'expliquer net pour nous en créole, et après ça moi-même va le porter ça, m'dwe porter ban nous. M'souhaite tout le monde bonne écoute. Samuel ici, qui charron, achete ti mout charron, pou si dolar pa charron, il va qui me. Et moi, marie, attendez, l'oreille, nous, yo marie, nous là. Quand il y a un couche que tu m'as levé, il va levé. Bon, il va t'a droyé, tellement grand goût. Gen yon ancien ministre de justice dans le pays de la France qui expliquait qui va les trahir le pays d'Haïti. Passé en bas mais la France avec les États-Unis d'Amérique. Nous prenons avec ça que Dio. Et puis, à la fin, nous avons tout avec trahir que les politiciens nous fait pays d'Haïti passé. Et puis, en conclusion, ou après que pays a n'est pas capable. L'autre gens que Jean que dit là. Et ça va le permettre tout comprendre que nous supposons prendre conscience. Moins prier nous en grâce. Gardez cette première minute vidéo ça. Et une fois qu'on regarde cette première minute, nous croyons qu'on va regarder tout le reste de la vidéo. Et surtout, on va partager le tout pour l'autre ami capable de garder, capable de tendre, capable de partager avec l'autre monde. Parce qu'il est extrêmement important. Nous devons comprendre ça. Mais pas oublier abonnez-vous avec la chaîne YouTube ça, pour être capable toujours être connecté. Non pas même c'est Wendy Fell. Christian Taubira dit un pile bagaille dans le livre ça, qui c'est l'esclavage raconté à ma fille. Dans page 109 livre ça. You don't tend to get bogged down in the back office. Sure, invoices and payments. Christian Taubira a fonti parler de pays d'Haïti. Qui ça le dit? Ça, c'est juste histoire, nous comprendre, mais ça qui est intéressant, il vient tout de suite. Ok? Tendez ça. Christian Taubira dit, il a oublié que Haïti, ancienne colonie ça, que vous avez Saint-Domingue ou bien Hispaniola, vous avez considéré zone ça, vous avez considéré ancienne colonie ça comme étant l'appel des Antilles à l'époque. Vous oubliez que ancienne colonie ça, l'Itapral proclamé indépendance li en 1804 après plus passé 13 années de bataille, 13 années de guerre. Côté garçon a tombé. Il a oublié ça. Il continue pour le dire. On a parlé de Christiane Taubira, ancienne ministre de la Justice dans le pays de la France. Il continue pour le dire. La France impériale n'a pas accepté que Toussaint Louverture, Dessalines, Pétion à Christophe, mettait en déroute les grands soldats de Napoléon Bonaparte. La France n'a pas accepté bagaille ça. Pour raison ça, qui ça la France t'a fait? N'a pas cité mot pour mot Christiane Taubira, ancienne ministre de la Justice, pays la France qui a parlé. Il dit pour raison ça, puisque la France impériale n'a pas accepté des faits là, il était tenté plusieurs fois pour te remettre la patte sous colonial. Et qui est fait ça après le gain sur Haïti, la France, parce que le TVL reprend le pays d'Haïti, il était forcé, jeune république ça, il était forcé de dépenser une quantité d'argent, mais vraiment en pile d'argent, pour te construire une série de forts à citadelle,
objectif là pour éviter yon défaite et surtout le rétablissement. Rétablissement, esclavage dans la colonie, c'est tout froid. Français, vous voulez retourner. La France, ouais, il n'y a pas qu'à reprendre le pays, qui ça le bras le fait? On a parlé de Christiane Taubira. Mais ça qui est intéressant, là, dans son histoire, on a fait. Mais ça qui est intéressant, il vient après. Ok? Partagez vidéo. Allez, la France, ouais, il n'y a pas qu'à reprendre le pays, qui ça le bras le fait? Selon Christiane Taubira, la France pral imposer un embargo sur Haïti. Li pral exiger que Haïti paye Lyon Cob. Nous connaissons ça. Ou a payé la France là à l'époque, qui ça monsieur pral fait? Li pral justifier l'agent ça en prétendant que Cob ça li pas représenté en rien devant tout ça colon français. Yo te perdu dans période coupe tête boule caille qui t'a pral mener. Haïti qui t'a pral mener l'ancienne colonie hein, vers l'indépendance. Qui t'a pral créer Nations Arts en 1804. Et c'est comme ça, selon Christiane Taubira, le 5 juillet 1825, soit 21 l'année après l'indépendance et pays d'Haïti, ont indépendance hautement et chèrement conquise, selon ça l'écrit, la France conduite à l'époque par Chaldis, li pral exige à Haïti yon forte somme l'argent pour être capable de reconnaître li comme yon pays à part entière. Comme yon pays dans tout l'autre pays. Li continue pour le dire. En contrepartie de cette reconnaissance, la famille, ou un pays la France, non, à l'époque, il était forcé Haïti engagé pour le bail la France 150 millions de francs or pendant 5 années. Ça projet en est devant sacral dit là. Ça veut dire 30 millions chaque année pendant 5 ans pour dédommager soi-disant colon. OK? Vous voulez bien comprendre. Christiane Taubira dit la France exige à Haïti pour le bail 150 millions de francs or pendant 5 années. Ça veut dire 30 millions chaque année pendant 5 ans pour dédommager colon. Il y a une exigence que le président pays d'Haïti, hein, Jean-Pierre Boyer, était accepté. Dans le même moment, la France était exigée que Haïti réduit à moitié une série de taxes que le tagué pour le payer à l'État haïtien comme droit de douane chaque lait que la France a voulu ou bien était souhaité faire entrer une série de produits français sur le territoire haïtien. Est-ce que vous entendez? En même temps, la France exigeait comme là, la France lui imposait à Haïti, lui exigeait que Haïti supprime les droits de douane et on prenne pour le capable faire produits français entrer sur le territoire librement. Ça veut dire qui ça? Christiane Taubira écrit. Lui dit ça, lui dit non seulement Haïti endetté tête lui, mais dans le même moment, la perdit une série de recettes qui était capable permettre que le rentrer comme pour le payer dès ça que il fait. Ça t'apprend le plus enragé dans bagarre là, selon Christiane Taubira, c'est que dans le moment ça, et c'est ça bien important les amis, dans le moment ça que Haïti a payé 150 millions à la France pendant 5 années, budget annuel pays la France en en bon créole, budget pays la France pour yon année, c'était 30 millions de francs. C'était 30 millions de francs. On a rappelé que Haïti gagne pour le pays. Il était exigé que Haïti paye 150 millions sous 5 ans. Ça veut dire 150 divisé par 5, ça fait 30 millions. Et budget annuel pays la France, dans la période là, c'était 30 millions. Christiane Taubira qui s'appelle conclut que la France qui t'a demandé à 900 000 Haïtiens, nous t'es fait qu'indépendant, nous t'es fait qu'exister comme pays, dans la période là, nous t'es pas de grand pile monde, nous t'es 900 000 Haïtiens seulement qui t'a pris au territoire. Donc, Christiane Taubira dit, la France l'y exigeait à une jeune république qui sortit dans la guerre, etc., pour, c'est-à-dire, l'y exigeait à 900 000 Haïtiens pour t'es occupé pendant 5 ans la France entière.
Christiane Taubira dit, les amis, m'a reprendre la France, lui mandé à Haïti, à 900 000 Haïtiens, pour occuper pendant 5 années l'ensemble besoin de une grande nation qui était 25 millions d'habitants à l'époque. M'a reprendre la France, lui exigeait à Haïtiens, pour occuper pays la France, à tout ça que le gars la donne, pendant 5 années. Le budget annuel yon pays, ça veut dire la Méladan, moun yo la dan, et exécutif, parlement, etc. Baronné, tout ça yon la dan, tout ça que l'État français, tout fonctionnement l'État français, c'était Haïti qui payait pendant 5 années. Ça. Est-ce que vous entendez les amis? C'est pas moi qui dis, c'est Christiane Taubira. Il dit la France, il exigeait à 900 000 Haïtiens pour occuper pendant 5 années ensemble besoin de une grande nation qui était 25 millions d'habitants à l'époque. Il continuait pour le dire, m'a parlé de Christiane Taubira, ancienne ministre de la Justice, qui écrit Sam Abdilao dans le livre que l'écrit qui titrait L'esclavage raconté à ma fille, à la page 100, 910, etc. Ouais, Sam Abdilao. Il continuait pour le dire. Ça peut être que j'aime rien. Plaisanterie, il pas te faire l'autre bagaille que commencer. Injustice, là, il pas te faire l'autre bagaille que commencer. Parce que injustice, là, que la France fait payer l'Haïti, il pas te durer uniquement 5 ans. C'est Christiane Taubira qui a parlé. Il dit, ça prend tout le pays d'Haïti net, là. C'est que pays qui saute dans la guerre, qui te saute dans la guerre, il pas te cob. Il t'a perdu recette à cause la France était forcée de retirer droit de douane sur ce qui est de produits qui a sorti en France pour entrer dans le pays d'Haïti. Eh bien, qui ça Haïti t'a pas le fait? Haïti t'a pas obligé livrer tête dans une série d'acrobaties périlleuses pour être capable de prêter une série de fortes sommes d'argent pour être capable de payer la France. Et fortes sommes d'argent, ça, yo, Haïti t'a prêté yo, avec une série de taux d'intérêt très élevés. Entre 20 à 30% pour être capable de battre la France comme que Chaldis était exigé pour le reconnaître, pour le reconnaître l'indépendance du pays d'Haïti. Et qui s'apprête à le passer? C'est que l'État haïtien, au début, lui prêtait au premier l'argent. L'Elfin prêtait l'argent, ça, un petit temps après, lui obligé de prêter l'autre l'argent. Pour le capé qui ça, pour le capé, premier l'argent que l'été prêté à. Ainsi de suite, c'est comme ça, Haïti pral là, c'est une spirale de dette, qui pas avec l'homme sauté là-dedans. La preuve, selon sa Christiane Taubira dit, un siècle après, bah, elle a passé en 1825, en 1925, près de plus de 100 ans plus tard, Haïti potko jam fin payé comme ça. Il était payé seulement 80% dans le cob là, à qui on partit dans l'intérêt de l'agence. Ça veut dire qu'on pire cob que Haïti pour qu'on payer, etc., etc. Ça enlage, selon sa Christiane Taubira dit, dans qui banque on pensait Haïti les prêter comme ça. Dans une série de banques françaises, une série de banques là qui sont dans la région parisienne. Et Christiane Taubira, en conclusion, il dit c'est injuste. L'agence a que la France te fait Haïti PIA et c'est yon bagaille qui participait dans mettre Haïti dans ça que lié là. Ça, c'est premier bagaille. Nous capables de dire, si nous avons gardé l'histoire d'Haïti, faut que nous ayons ça. Si nous avons gardé le problème pays d'Haïti, faut que nous ayons ça. Sauti 1825 pour arriver 1925, nous avons comme Napeg, etc. Mais en 1925, pas oublier, nous sommes occupation américaine. Hein? Parce que les Américains ont débarqué dans le pays en 1915 à cause de folie pour une série de hommes politiques haïtiens. Nous prenons vini avec l'occupation américaine. Parce que Christiane Taubira, également dans le livre, elle parlait de l'occupation américaine. Qui ça dit? M'a appelé pour nous en français. Et puis après, m'a vini en créole avec nous pour qu'on bien comprendre. Christiane Taubira dit, il faut dire que ce pays en a vu. Il a supporté la dynastie des Duvalier et sa milice tristement célèbre, les Tontons Macoute. L'armée américaine a occupé cette moitié de l'île de 1915 à 1935 au nom de la doctrine de Monroe.
l'Amérique aux Américains, qui fait de la Caraïbe et de l'Amérique centrale l'arrière-cour. Cour des États-Unis. Le jour même du débarquement, et c'est ça le plus important, le jour même du débarquement, une unité de marine s'est emparée 2 millions de dollars en or confisqués d'autorité à la Banque nationale haïtienne et aussitôt transféré aux États-Unis par la canonnière Mathias qui avait transporté ses soldats de Miami à la rade de Port-au-Prince. Est-ce que vous entendez? En bon créole, qui ça le dit? Il dit pays ça, ouais, tout coulé. Après, elle finit supporter, il supporter dynastie des Duvaliers, etc. Et puis, il retourne en arrière. Pour le dire, l'armée américaine était occupée pays ça de 1915 à 1935. Au nom de ça aurait les doctrines Monroe qui dit que l'Amérique là, c'est pour Américains au collier. Il dit, même jour, premier jour que l'Amérique a débarqué dans le pays d'Haïti, ils ont volé, hein, une unité marines américaine qui volait 1 million de dollars en or que l'État haïtien, que Banque nationale pays a été confisqué. Ok? Premier jour que l'Amérique a débarqué, selon Christian Dobera, ils ont